Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de rencontrer Sa Majesté la Reine en Écosse. Cette visite a été particulièrement émouvante puisqu'elle avait lieu durant l'année qui marque à la fois le 150e anniversaire de la Confédération, mais aussi les 65 ans de service de Sa Majesté à titre de chef d'État du Canada. Cette rencontre nous a donné l'occasion de parler de notre histoire commune et la chance de réfléchir à ce que nous réservent les prochaines années. We know that later this year, the steady and trusted leadership of the Queen's current representative in Canada, His Excellency the Right Honourable David Johnston, will come to an end after 7 years of service marked by hard work, grace, and humility. His Excellency will be retiring this fall. When his appointment was first announced back in 2010, Prime Minister Stephen Harper said that the Governor-General represents the best of Canada. That was true then, and it is true now. We will always be grateful for the contributions the Governor-General and Mrs. Johnston have made in service to our country, and we wish them all the best in the years ahead. Which brings us to today's announcement. I am very pleased to announce that, on my recommendation, Her Majesty the Queen has graciously approved the appointment of Ms. Julie Payette as the next Governor-General of Canada. Je suis très content d'annoncer que, suivant ma recommandation, Sa Majesté la Reine a gracieusement approuvé la nomination de Mme Julie Payette comme nouvelle gouverneure générale du Canada. Déjà bien connue des Canadiens, Mme Payette s'est distinguée en tant que scientifique accomplie, pilote d'avion de chasse, athlète, spécialiste en politique publique, musicienne et, bien sûr, comme championne de la science et de la technologie. Par-dessus tout, c'est surtout son travail de pionnière et de leader du programme spatial du Canada qui l'a fait connaître. Mme Payette a travaillé comme astronaute à l'Agence spatiale canadienne pendant plus d'une décennie. Elle a été astronaute en chef du Canada de 2000 à 2007. Elle a été la deuxième femme canadienne à se rendre dans l'espace et en 2009, elle a fièrement représenté tous les Canadiens lors de notre première visite à la Station Spatiale Internationale. Many of you probably remember watching Ms. Payette and seven other prominent Canadians as they carried the Olympic flag during the opening ceremonies in Vancouver in 2010. Ms. Payette's life has been one dedicated to discovery, to dreaming big, and to always staying focused on the things that matter most. These truly Canadian traits, along with her years of public service, make her unquestionably qualified for this high office. Je sais qu'elle sera une excellente gouverneure générale. J'attendrai avec impatience la cérémonie qui soulignera son installation cet automne, où elle deviendra officiellement la 29e gouverneure générale du Canada depuis la Confédération. J'ai maintenant le privilège de présenter la gouverneure générale désignée du Canada, Mme Julie Payette. Bonjour, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Hello to everyone. On pensait vous faire une surprise aujourd'hui, mais clairement, voilà. Quelle belle journée! What a great day! Vous ne serez pas surpris si je vous dis à quel point c'est un très grand honneur pour moi, pour ma famille, pour mes amis et collègues ici autour, à travers le pays, disséminés sur la planète, même quelques-uns présentement à l'extérieur de la planète, d'avoir été choisi pour représenter mon pays comme gouverneur général. First, I must express my most sincere appreciation to Her Majesty the Queen and to the Prime Minister, Monsieur le Premier Ministre, for the confidence they have shown me, but more importantly for the chance, the amazing chance, a second chance, to serve Canada again. When you see North America, the northern part of North America, from a spaceship, you get to see a lot of amazing details. Vu de l'espace, le Canada est immense, fait de montagnes, de lacs, de forêts, d'une beauté époustouflante. Malgré le fait qu'il y ait 10 provinces, 3 territoires, de nombreuses régions et municipalités, par contre, on ne voit pas de frontières, mais plutôt 1001 détails, petites et grandes différences de langue et de culture qui font la richesse de ce pays. Ainsi est notre pays, a grand and luscious land, glorious and free. It will be a pleasure to travel, to meet and interact with Canadians of all backgrounds, from coast to coast to coast. Messieurs, dames, je suis ici au service des Canadiens. J'y mettrai tout mon enthousiasme, toute mon énergie, mais surtout, c'est avec beaucoup d'humilité que j'entreprends ces responsabilités. But just like it is in space travel, we don't necessarily do things because they're easy, but because they're hard. And the task will be hard because it requires to follow in the footsteps of giants. Governor General David Johnston has been an engaging force and a pillar of wisdom the last 7 years. He will not be easily replaced. But fortunately, I have known him for a long time, and I look forward to interact with him and to tap into that wisdom and that knowledge so that I can start this new role. Messieurs, dames, c'est le début d'une grande aventure. Une aventure qui nous concerne tous, going forward. J'espère que vous y serez tout au long. Merci infiniment. Merci.